Salut les filles! Salut tout le monde! On est très contentes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo haul solde hiver. Donc on a mis un petit peu de temps à la filmer parce qu'en fait à chaque fois on rachetait des choses. Voilà. Donc bah autant vous montrer d'un coup quoi. Voilà. Donc cette fois-ci je pense que c'est bon. Hein? Oui. On va pas racheter autre chose. Non. Je ne pense pas. On attendra les soldes d'été. Oui. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis bah c'est parti. Allez, on vous montre tout ça. Allez. Alors on va commencer avec la boutique H&M. Donc H&M, j'ai acheté des pulls. Donc j'ai acheté ce premier pull là. Je crois que c'était un pull qui était de la collection Noël. Noël, oui. Donc en fait il a des genres de... je sais pas si on va bien voir. Comment tu peux appeler ça? C'est des petites paillettes, enfin il est un peu pailleté ouais. En bas en ça fait. Ça fait effet flocon en fait, mais en rose. C'est trop beau. Donc voilà, je le trouvais trop joli et il était en solde, je crois que je l'ai payé 10€. Donc je l'ai pris, je me suis dit, oh ça fait pas trop Noël, je peux le mettre, enfin je pourrais, on peut le mettre quand c'est pas Noël. Mais là ça va bientôt être la fin parce qu'il commence à faire vraiment très beau. Oui. Hop, à toi. Alors moi chez H&M, oui, faut que j'aille le chercher un peu loin. Je me suis acheté deux petits pulls parce que j'avais besoin de petits pulls bien tout sûr. Simple. Quoi, voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et puis en fait les manches elles sont un peu... vous voyez elles sont ouvertes, les manches comme ceci. Ça fait l'effet romantique un peu. Ouais voilà, en bas c'est pareil, il est un petit peu ouvert. C'est trop joli. Alors du coup je me suis dit, je me suis tâtée entre deux couleurs et je me suis dit bah je vais prendre les deux couleurs. Donc j'ai pris un foncé en fait et un plus clair, comme ceci. J'ai dû les payer. Je crois que c'est 10€. Je crois que l'un c'est 10€ il me semble. Donc je me suis dit bon bah ça va, c'est pas non plus... pas non plus souriné quoi, donc donc voilà. Ensuite moi H&M toujours, j'ai acheté un autre pull, voilà. Donc là c'est un pull simple hein. À col, le col il est un petit peu, il monte un peu comme ça, donc voilà, il est un peu long, il est ouvert pareil que celui de l'autre, il est ouvert sur le côté comme ça. C'est un gris, c'est un gris voilà. Et donc celui-là pareil, il était en solde, je l'ai payé 10€ et j'étais vraiment surprise de la qualité parce que il fait pas... Non, il fait vraiment beau. Enfin, oui. Il fait belle qualité, quoi. Enfin, même les... la laine et tout. Donc, je trouve que vraiment, j'étais vraiment surprise. Et après, j'étais retournée pour aller l'acheter en noir et il n'y avait plus ma taille, donc... Dommage. Bah, chez H&M, moi, je crois que c'est tout. Ouais, j'avais pas acheté grand-chose chez H&M. Hein. Moi, j'ai acheté d'autres choses, mais pas sur une autre boutique. Bah, je passe sur une autre boutique. T'es pas allée Pimki. Pimki. Et bah, allez. Bah, moi, je suis allée chez Pimki, voir un petit peu ce qu'il faisait. J'avais besoin de t-shirts, de haut simple, et du coup je me suis acheté un petit haut, comme ceci. C'est un petit t-shirt, hein, voilà, comme ça, et la matière elle est toute fluide. Je pense qu'on le voit un peu à la caméra. Je l'ai payé 2€ je crois, en solde. Donc, moi et Bordeaux, voilà quoi, je me suis jetée dessus à ce prix-là. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite moi, chez M, j'ai acheté... Attends, je vais vous montrer les deux en même temps, ça va être plus simple. Voilà. Donc j'ai acheté deux chemises, donc la première, j'adore les chemises, hein. L'été j'adore les chemises, donc j'en ai pris. La première, voilà, elle est un peu bleu-grise. Ouais. Gris-souris on dit? Je sais plus. Je sais pas. Enfin voilà, je sais pas, elle est jolie, elle est pas très... pas longue celle-ci, enfin ça se met avec un leggings ou un jean. Donc voilà. Elle est très belle. Et la deuxième, c'est une très longue, qui est cette fois-ci bien bleue. Oh. On est pas repassé, hein, je vous dis. Voilà. Et celle-là elle est vraiment longue donc elle va pour mettre en robe ou... Ouais. Donc voilà. Elle est très jolie. Et donc je les ai payées je crois l'une 8€ et l'autre 10€ donc ça va. Voilà. Moi j'en trouve jamais des chemises. J'adore quand elle en achète mais alors pour moi je m'en trouve jamais. Vraiment je m'en trouve. Okay. Bref. Ensuite, t'as encore des trucs chez H&M ou pas? Encore oui. Encore, donc je passe à autre chose. Bon alors du coup moi je suis allée dans une petite boutique à côté de chez moi. Et j'avais repéré en fait cet été une combinaison. Et je me suis dit non, je vais pas acheter une combinaison, un pantalon en plein été. Et là, elle était en promo. Donc je me suis jetée dessus. Regardez-moi cette merveille. Elle est trop belle, elle est longue. Comme ceci. Et elle est... c'est un effet jean. Ouais, mais tu sais, jean un peu délavé. Ouais. Et elle est toute fine, vraiment. Donc elle est trop belle. Je crois qu'elle était, à 39€ à la base. Et je l'ai payée... 16. Ouais, donc là. 15. Non, 14. Je l'ai payé 14€, elle était à moins 60. Mais ça, c'est un coup de cœur qu'on avait toutes les deux. Quand on était allé la première fois dans la boutique, on l'avait pas prise. Oh là là, gros coup de cœur.
Puis on peut la mettre l'été hein, parce qu'elle est vraiment fine. Hein. Bah oui, du coup, je la pensais pas aussi fine et on est vraiment bien dedans. Moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, moi, je vais terminer avec H&M. Et à H&M, j'ai acheté deux petits t-shirts. Donc le premier, c'est un t-shirt... C'est pas un t-shirt déjà, c'est un débardeur, Audrey. Félicitations. Donc c'est un t-shirt... C'est un débardeur, on a le soleil qui arrête pas de nous faire des caprices. Donc c'est un petit débardeur comme ça tout fin et il a le col roulé. Vous savez ça... Il est beau. Ça fait le col, il est tout fin, il est tout... Bon, c'est moulant par contre, hein, je préfère vous prévenir. Donc voilà, je trouvais ça trop joli, j'en avais pas des comme ça donc j'ai préféré le prendre. Donc je vais payer ça 4 ou 5 euros, je sais plus. Et le deuxième, celui-là j'ai trop aimé, c'est un autre t-shirt donc gris. J'ai un souci avec le gris cette année. J'arrête pas d'acheter des choses grises cette année. Bah moi c'est une autre couleur. Et donc c'est un t-shirt tout simple, gris comme ça. Et vous avez les manches avec les lacets en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Puis le col il est vachement large. Oui il est plus large, le col il fait plutôt comme ça je pense. Ouais voilà. C'est trop beau. Donc voilà et ça c'est pareil, je l'avais payé 5 euros. Donc je l'avais pris parce que je le trouvais trop joli. Mais c'est vrai que moi chez H&M j'ai pas trouvé des affaires cette année. Toi t'en as trouvé plein qui sont trop beaux. Moi j'ai pas... Enfin bon bref. J'ai trouvé d'autres affaires au départ, donc j'ai de quoi dire. T'as encore chez H&M ou pas? Non, c'est fini. C'est fini? Bah moi, je vais je vais démarrer sur une petite boutique, donc je me souviens plus le nom, mais ça vous sert à rien parce que c'est une petite boutique au centre de Bordeaux, donc voilà. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est un grand pull comme ceci, et puis là, il y a des petits, ouais, y a des petits détails qui sont motifs sympas. En bas. Ouais. Mon dieu, quand je l'ai vu, qu'est-ce qu'il était beau. il était à 15 euros. 15 euros, vous vous rendez compte? Une merveille pareil. Et voilà, moi j'ai un gros souci cette année, c'est avec elle, c'est le gris et moi c'est le moutarde. Je m'achète plein de choses moutarde, j'ai un gros souci avec le moutarde. Voilà, je l'avoue. Donc voilà, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente de toutes mes trouvailles, je crois. Ensuite, moi, bah tiens, je vais passer sur ça parce que je crois que t'as pas... C'était une boutique, pareil sur... mais je me souviens plus le nom de la boutique, mais en gros elle est en liquidation, donc... C'est pas très joyeux, mais bon, elle est en liquidation, donc on est allé faire un tour et j'ai trouvé ça. Les vêtements, j'aimais pas trop, c'était pas trop... C'est Stileco. C'est ça. Mmh. Et en fait, les vêtements, c'est vraiment des... Je trouve ça déjà très cher. C'est de la mauvaise qualité. Et c'est pas de la bonne qualité, vraiment, ouais. Ça se voit. Et donc j'ai juste fait un tour et je me suis dit non, ça va pas, c'est pas beau, c'est pas... C'est... Donc, et j'ai... par contre, j'ai vu ça et là, je me suis dit non, il faut que j'apprenne. Donc c'était... C'est une grande écharpe comme ça. Ah, elle est belle. Hein. Rose, noire, grise, blanche, enfin bref, il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a encore du gris, vous noterez. Mmh. Et je l'aime trop, je la mets en triangle comme ça, et je comme ça, je la montre. Et je l'aime trop, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et je l'aime trop, donc je sais plus trop le prix que j'avais payé, mais c'était dans les alentours de 11 euros et c'était moins 50%. Mmh. Donc voilà, et j'étais trop contente. Elle est trop belle. Et bah moi, je vais continuer sur les écharpes, du coup. Je me suis acheté, mais vous moquez pas de moi, hein. Je me suis acheté une écharpe kaki. Parce que j'aime trop le kaki, bon bref. Et en fait, dans les boutiques de femmes, moi j'en ai pas trouvé cette année. Alors je suis allée, tadadadam, dans une boutique d'hommes, je suis allée chez Jules pour acheter cette écharpe. Et elle est belle quoi. Bah elle est simple, hein, c'est une kaki, voilà, c'est une écharpe quoi, mais elle est trop belle. Ouais mais c'est un vrai kaki là. Ouais, et elle était chez Jules, je l'ai payée 5 euros. Donc voilà, pour une belle écharpe comme ça, vous voyez, on peut la mettre comme ça et elle est grosse. Donc voilà, si vous voulez la retrouver chez Jules. Hop. Ensuite, on fait Zara. C'est parti. Alors moi Zara, j'ai pas trouvé grand chose. Mais moi non plus. Un petit peu, mais pas. La première chose, je l'ai acheté. Donc j'ai acheté un. Alors il n'était pas en solde celui-là. C'était la nouvelle collection. Et je l'ai acheté avec Mélissa. Donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc on est allé parce que c'est la première fois qu'elle allait à Zara et je l'ai emmené à Zara et je lui ai dit on va trouver quelque chose à Zara. Et là on tombe sur un pull et elle me dit oh mais j'ai pas envie d'aller l'essayer toute seule donc je lui dis bah je vais prendre le même en gris hein voilà et comme ça on va l'essayer et on est reparti toutes les deux avec le pull donc voilà donc c'est un grand pull mais doux à un point je sais même pas comment vous expliquer comment il est doux. Il a un grand col, vous savez c'est un col qui tombe comme ça, je sais pas comment expliquer. Oui c'est un col pas bateau mais... Vous voyez il est très très grand le col. Ouais. Voilà. Et il a, ce que j'ai aimé, c'est les manches. Ouais. Elles sont resserrées et il y en a plein des pulls en ce moment comme ça, c'est trop beau. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur. Bon, je l'ai payé, bon, pas en solde, donc 30 euros je crois, mais encore pour Zara, c'est pas... Ouais. C'est le prix d'un pull en fait. Mais vraiment, il est trop beau. Donc voilà. Bah moi, chez Zara, j'avais besoin de... Toujours pareil, de vêtements simples.
et j'avais besoin de jeans noirs parce que j'en ai plus, j'en avais plus du tout. Donc je me suis acheté des jeans comme ça, tout simple, tout noir, tout simple, bref. Et je les ai payés 8 euros, tu m'as pas dit non? 10. Ah, 10. 10 euros là. Donc j'en ai acheté deux pour ce prix là parce que franchement ils sont vachement bien coupés quoi. Ils font super classe et tout, je les aime beaucoup. Donc voilà, ils sont très très jolis. Voilà. Et moi chez Zara j'ai une dernière chose que j'ai acheté. C'est la seule chose que j'ai acheté en solde. C'est une chemise. Voilà. Mais pas dans, c'est pas ce que je porte d'habitude, mais quand je l'ai eu, quand je l'ai portée sur moi, j'ai trouvé ça. Enfin, je croyais que je reparte avec. Donc elle est un peu vert bouteille. Ouais. Ouais. Vert, il y a un peu de bleu marine dedans oui, aussi. Bleu marine et bleu du beige. Et elle a des petits. Des petits écussons. Ouais. Comme ça là. Avec un petit panda et. Enfin, j'ai trouvé ça. Enfin, je trouvais ça trop beau. Et elle est un peu courte par contre, elle est courte, elle se met avec un jean taille haute plutôt. Ouais. Et vraiment, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc je suis pressée de pouvoir la mettre parce que là il fait encore un peu frisqué. Mais dès qu'il va faire bon, frisqué ça se dit pas, c'est ça. Il fait un peu frais encore parce que moi je suis vraiment un. J'ai toujours froid. Et dès que je vais pouvoir, je la mets parce que celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Ouais, elle est belle. Voilà. Ensuite, bah moi chez Zara, alors là, ça a été le coup de cœur. mais vous allez trouver ça débile, hein. Mais le coup de cœur de mes soldes. Attention, je vous présente le magnifique, le tout beau t-shirt. En fait, c'est un t-shirt comme ça, il est un petit peu, vous voyez, un petit peu court. Et vas-y. Et, ouais, et pareil, il me fallait un t-shirt simple. Et là, waouh, quand je l'ai essayé, en fait, je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est sympa, je vais l'essayer quand même. Je suis allée l'essayer. Oh, mon dieu, misère, il est trop beau. Alors, il y a les petites manches comme ça, c'est les manches 3 quarts. Et il est trop beau, quoi. Et je l'ai payé 9 euros. Et franchement, j'ai trop les boules de ne pas l'avoir pris en noir quand même. Et quand j'ai voulu aller le chercher en noir, il n'y était plus. Donc voilà, je pense pas que vous le retrouverez, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors moi j'ai acheté une dernière chose, j'ai acheté deux bonnets. Toi t'en as pris un aussi. Oui. Donc le premier je l'ai pris, je l'ai acheté à Terra Nova pour 2 euros. Donc c'est un petit bonnet avec marqué Freedom dessus. Et j'ai, en fait je suis un peu déçue parce qu'il était en blanc et j'aurais dû le prendre en blanc. Mais tant pis, je l'ai pris noir, au moins ça va avec tout. Enfin, blanc ça va avec tout aussi en fait, mais bon bref, j'aurais dû le prendre blanc et je l'ai pris noir, mais tant pis. Voilà. Et le deuxième. Donc, ça c'est le coup de cœur aussi. Quand même. Hein. Moi, en fait j'étais allée aux Galeries Lafayette. Un soir et le lendemain j'avais ce petit bonnet là sur moi et Lorraine a eu un gros coup de cœur sur le bonnet. Le soir on est reparti à Galeries Lafayette pour qu'elle s'achète ses bonnets. Le même. Ils sont trop beaux, ils sont super épais, c'était à moins 70% à Galeries Lafayette. Ils étaient je sais plus combien, ils revenaient à 5 euros je crois, mais c'était, c'est toujours ce qu'on recherche quoi, les bonnets avec les gros, la grosse laine. Ça met des essayages, non? Voilà, donc on va l'essayer. Attends, je le mets à l'envers. Hop. Ils sont pas trop beaux quand même. Voilà. Donc voilà. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, ils vont avec les cheveux frisés. Oui. Parce que, enfin, c'est rare. Voilà, donc là, c'est super, c'est impec. C'est rare de trouver des bonnets qui vont avec tes cheveux frisés. Parce que vu qu'Audrey, elle a des jolies boucles vraiment gonflées, bah c'était pas... Le bonnet, ça fait un petit peu... bizarre. Mais même celui-là, il est presque trop grand, je vais vous montrer. Mais il est plus fin pourtant et... Il est beau, hein, celui-ci quand même. Et ça va aussi celui-là, mais moins bien que l'autre, mais ça va aussi. Ah, ça il passe. Est beau quand même, ça va. Ça passe, mais c'est moins bien que l'autre, je trouve. Parce que l'autre, il est vraiment gros, vous voyez, enfin, il est hyper épais, ouais, donc... Si j'avais su que j'aurais trouvé celui-là, j'aurais jamais acheté celui-là, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Voilà, ensuite, du coup, c'était à moi. Oui. Qu'est-ce que je montre? Bah, pars dans les affaires de sport. Hein. Allez, je pars dans les affaires de sport. Donc, je suis allée... j'en ai oublié un. Bon, c'est pas grave. Leclerc Sport, je suis allée à Leclerc Sport et pareil, il me manquait des petits t-shirts pour le sport, donc je m'en suis racheté. Donc j'ai acheté celui-ci. Oh, il est trop joli celui-là. Il est trop mignon, il est un petit peu court. Avec les leggings de sport, c'est pas gênant parce que comme il monte haut, donc voilà, c'est pas gênant. C'est marqué The Gym is my new boyfriend, excusez-moi pour l'accent. J'ai dû le payer, je sais pas, 6 euros, quelque chose comme ça, je crois. Je me souviens plus exactement des prix, c'est pas bien, Lorraine. Et j'en avais acheté un autre mais je l'ai oublié. Il est noir avec une petite danseuse étoile, vous savez, dessus. Et puis c'est marqué lève-toi avec la détermination et couche-toi avec la satisfaction. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé la phrase superbe, alors du coup je l'ai acheté. Le col il est un peu évasé, bon bah ça veut rien dire de vous le dire comme ça, mais voilà. Et pareil, j'ai dû le payer 6-7 euros, donc ça valait vraiment le coup. Ah voilà. Moi je suis aussi allée à Leclerc Sport parce que en fait. On aime bien les vêtements aussi de marque. Le problème, c'est que les leggings de marque, les t-shirts de marque,
Enfin, moi je suis désolée de le dire, mais je peux pas acheter un t-shirt et un leggings à 60 euros, c'est pas possible. Donc je sais que quand c'est les soldes, c'est vraiment intéressant. Donc la première chose, j'ai acheté ce t-shirt là. Vous voyez, il a, enfin, je sais pas si on verra, il a, les... il a vraiment des grandes ouvertures au niveau des bras. Des bras, merci Laura. Je vais y arriver. Attends, je... Il est super fin. Vous voyez, vraiment, il est ouvert tout là, quoi. C'est... Il est marqué Reebok. Merci Lorraine. Donc voilà, il est super fin et c'est pareil, c'était un t-shirt de marque qui coûtait très cher et que j'ai réussi à avoir en solde à, si je me trompe pas, 11 euros je crois. Il est beau, hein. Il est tout voilà. Celui-là. Hop. Il était en gris aussi, en gris foncé. Oui, je l'ai vu aussi en gris foncé, oui. Mais je le voulais blanc.